quand on fait des études de théologie, on fait beaucoup de choses et des choses très très différentes. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle les étudiants aiment beaucoup étudier la théologie. C'est qu'on s'ennuie pas quand on fait de la théologie. Alors, la théologie, c'est une réflexion sur nos images de Dieu. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous parlons de Dieu, nous faisons de la théologie. Nous faisons bien souvent de la théologie sans le savoir. Et la théologie n'est pas une discipline qui serait réservée à des professionnels. C'est aussi une analyse critique de tous nos discours sur Dieu. C'est pas seulement la production d'un discours sur Dieu, d'une image de Dieu, mais c'est aussi l'analyse critique de ces discours. Ça apporte énormément de choses, notamment d'avoir, je trouve, un regard critique sur le monde qui nous entoure. Puisque quand même on se permet de réfléchir, de critiquer, d'analyser des textes bibliques ou d'autres textes qu'on dirait sacrés. Et je trouve que ça permet de porter un regard différent en fait, sur l'actualité, sur le monde. Alors je pensais d'abord que ça serait un peu comme du catéchisme renforcé, quelque chose où en fait on apprendrait beaucoup de choses, on approfondirait des choses qu'on a pu voir justement étant enfant à l'école biblique ou au catéchisme, et en fait pas vraiment, et c'est beaucoup plus, ça m'apporte beaucoup plus de questionnements. Faire de la théologie, ce n'est pas une formalité mais une traversée. Il ne s'agit pas d'avoir un diplôme dans un domaine universitaire qui est la théologie, mais il s'agit tout au long de ce cheminement de se poser des questions sur soi-même. Le cursus est organisé selon ce qu'on appelle le processus de Bologne, qui est un processus européen que l'on appelle aussi LMD, licence en 3 ans, master en 5 ans, doctorat en 8 ans. Donc, les 3 premières années de licence, c'est la possibilité pour les étudiants d'apprendre les langues bibliques d'abord, le grec et l'hébreu. C'est aussi d'être introduit dans les différentes matières au fur et à mesure qu'ils avancent, donc dans les différents champs de la théologie, le biblique, l'historique, éthique et systématique, et puis la théologie pratique. Donc ce cursus dure 3 ans, c'est un cursus d'introduction et déjà bien sûr d'approfondissement. Ensuite il rentre en master, le master étant 2 ans. La première année de master est commune à tous les étudiants. Mais à partir de la deuxième année, il y a la possibilité de choisir entre 2 filières. Soit la filière recherche, dont la suite logique est de conduire au doctorat, et de l'autre côté, la filière professionnelle, comme on la trouve dans l'université, qui ouvre à la perspective d'exercer un ministère dans une des églises, notamment le ministère de pasteur. Et donc, au-delà de ces 5 années de master, pour ceux qui veulent faire un doctorat, il faut qu'ils aient pris la filière recherche, et donc ils ont encore ensuite 3 ans pour faire leur doctorat, qui est sanctionné par une thèse. Nous offrons aussi la possibilité pour des étudiants de faire d'autres parcours, des études que l'on appelle des études aménagées, et d'obtenir un diplôme. C'est le cas par exemple diplôme d'études spécialisées, un diplôme d'études spécialisées qui permet à des étudiants de se concentrer sur tel ou tel domaine, d'obtenir des modules principaux dans un certain nombre de disciplines et pas de couvrir le champ complet de la théologie. Nous offrons aussi la possibilité de suivre des cours d'initiation à la théologie. Ça permet donc à la fois d'aborder un thème particulier, mais aussi de découvrir la théologie, puisque à chaque fois, l'idée est quand même bien d'initier celles et ceux qui viennent à l'apprentissage de la théologie. Et ça permet d'obtenir un certificat d'études théologiques. L'un des soucis de la faculté de théologie de Montpellier, c'est de s'ouvrir bien sûr aussi sur le monde universitaire. Nous avons de nombreux partenariats avec l'université publique de Montpellier, y compris au niveau doctoral. Et puis, nous avons décidé de sortir de nos murs pour aller vers des hommes et des femmes qui ont de l'intérêt pour la théologie,
qui n'ont pas forcément ni le temps ni les moyens de venir à la faculté de théologie. Et donc du coup, ce sont les enseignants qui se sont déplacés. Le succès de ces cours décentralisés est extrêmement réjouissant et il témoigne d'un grand intérêt pour la recherche théologique. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que ces cours décentralisés commencent à être, pour un certain nombre de personnes, une sorte de marchepied, un produit d'appel, si je puis dire, pour entrer après dans un cursus théologique plus au long cours. Et certains qui ont commencé à faire de la théologie dans le cadre des cours décentralisés, eh bien, maintenant, sont inscrits par correspondance. Et certains sont même venus suivre ici des cours à la faculté en présentiel. Il y a beaucoup de partenariats, hein, parce que nous sommes un petit établissement, mais qui est très, très vivant, en particulier sur le plan de la recherche. Et donc, les liens avec d'autres établissements d'enseignement supérieur sont nombreux. Alors, il y a des partenariats formalisés, quasiment institutionnels, par exemple à Montpellier avec l'Université Paul Valéry, Montpellier 3, ou à Paris avec le HESS. Il y a énormément de liens avec l'étranger. Ça, c'est une spécificité de l'IPT parce qu'il n'y a pas énormément de facultés de théologie en France, hein, d'une manière générale, protestantes en particulier. Et du coup, nous sommes le vis-à-vis de beaucoup d'universités étrangères. C'est vraiment très important pour nous et ça donne lieu à des échanges à la fois sur le plan des enseignants, des étudiants et de la recherche. Sa mission, c'est l'enseignement de la théologie protestante. C'est vraiment un mélange très complet et ça permet vraiment de s'enrichir de toutes les expériences de tout le monde. Ça recouvre pas mal de choses, hein. Ça recouvre la formation des futurs pasteurs, la formation des étudiants qui viennent, bon, pour d'autres raisons, parce que ça les intéresse. Et puis la recherche qui est étroitement liée à l'enseignement, comme dans toutes les universités d'ailleurs. Il y a une association à la faculté qui s'appelle l'Association des étudiants. Elle est tenue par les étudiants et c'est pour les étudiants. Donc les étudiants mettent des projets en place avec un président qui est élu au début de l'année. Et on met des projets en place, donc, que ce soit des soirées, des pique-niques, des débats ou faire le culte de Noël. Ça, c'est les étudiants qui s'en occupent aussi. Ça permet de tous se connaître un peu mieux, ce qui n'est pas plus mal parce qu'entre les premières et les deuxièmes années, on est souvent un peu les uns à l'écart des autres parce qu'on n'a pas les mêmes horaires. Si on a la possibilité de le faire, eh ben, il faut en profiter.